Pour moi, les piliers pour développer la data literacy, j'en verrais trois. Le premier, ça va être effectivement la partie technique. Il faut une architecture technique avec des bonnes technologies big data qui soient bien mises en place, surtout avec des processus d'industrialisation, d'ingestion et traitement des données. Ensuite, le deuxième pilier, donc ça c'est vraiment la base, il faut que ça fonctionne. Le deuxième pilier, ça va être toute la partie data viz. Il faut qu'on puisse mettre cette data à disposition des métiers avec des outils qui soient faciles à utiliser, faciles à manipuler, faciles pour jouer avec la donnée. Et enfin, le troisième pilier, ça va être cette méthodologie de résolution de problèmes. Il faut qu'on ait vraiment une approche méthodologique et où aussi l'équipe data va se positionner en tant que coach. C'est-à-dire, on n'est pas une plateforme de service, mais on se positionne bien comme des coachs. On arrive outillé avec une architecture, des outils de data viz et une méthodologie de résolution de problèmes. Donc, c'est un peu ça qui fait le lien entre les différents sujets.